n'oublie rien. Comment tes phrases résument bien l'état d'esprit qui est le mien. Comment Nubien, Nubien, Afro-Péen. Comment j'ai débarqué avec ma harpe, mon bac, mon dan, mon pain, mes quatre nattes. Black Bible est là, bénédiction de ma mère dans mon sac. Va mon fils, fais ce que tu as à faire. Fais sortir ton avenir du trou, il se taire. Non pas que cette France soit mon jardin d'Éden. Vu ma dégaine, mon name ou ma couleur est belle. Mais on vient de loin, man. On est parvenu pour rien, man. Allah guide nos pas, alléluia, amen. Amen. Qu'importe les scènes de haine malsaine, les peines, on sait se défendre, on sait à quoi s'attendre. Bref, on vient prendre ce qu'on peut apprendre. Mieux, on vient prendre ce qu'on a à prendre. Black Atlanta, 4-4 Nantes, ex-Black tournant, la Black tourmente. À force de foutre le feu au fin fond de la jungle, on finit par faire débarquer les faux bambins. Bref, pour être totalement franc, vu les antécédents avec cette douce France, on se permet de penser qu'elle nous doit quelques francs. Et personnellement, j'exige qu'elle me les rende. Welcome to Paris. I go by the name of Lord de Comindon, African hip-hop artist from Gabon. I wrote a song entitled Exile, which is about some of the conditions African people live in. But I'm talking precisely about sans-papiers. What we call sans-papiers and the commanded people. And I wanted you to see the struggle of their daily lives. Mes chers camarades, pour gagner la régularisation des occupants de la République, a régularisé plus de 3000 personnes en 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes partis pour exiger de ce gouvernement la régularisation de tous les sans-papiers. Je suis arrivé en France en 93, je pensais que le plus dur était fait. Mais quand je suis venu, je me suis retrouvé un peu dépaysé. J'étais étonné de voir en France que l'accès au travail était difficile, l'accès au logement et surtout l'accès aux papiers. Sissoko is a spokesman of an organization representing thousands of undocumented migrants in Paris. Its members have been living in an abandoned government building in the center of the city. They call it the Ministry of the Undocumented. Bonjour. Bonjour, ça va? Tu peux venir avec nous là à la réunion? On est venu ici pour que nous puissions nous organiser pour notre lutte. Et en tout, on est plus de 2000 personnes à faire le roulement ici, plus de 23 nationalités et tous les continents sont représentés. To illustrate the problems of the undocumented on a more personal level, Sissoko published a book called Letters to My Mother. Chère maman, nous sommes tenus de vous trouver à manger pour tous les moyens. J'enverrai 3 sacs de 100 kg de mil, 3 sacs de 100 kg de riz. It gives a touching insight into the life of the troubled. J'ai passé 2 mois en 2001 à la prison de la santé pour défaut de papier. Donc le jour où ma maman a appris que moi j'étais en prison pour défaut de papier, il a tout de suite paniqué. Pour nous, chez nous, quand quelqu'un va en prison, c'est comme s'il a tué, quoi. Today, strict laws are implemented to punish employers who hire undocumented migrants. Therefore, it has become very difficult to find work, even though many of them have been in France for years, working and paying taxes. Ça fait 9 ans quand je travaille, c'est déclaré à l'impôt, à sécurité sociale, ça cotise, comme les autres. Mais c'est maintenant, il y a le contrôle qui passe et l'entreprise ne veut pas. Bah, la position des sans-papiers s'est durcie au fil des années. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de vivre sans papiers en France. À l'époque, on avait besoin des ouvriers. Maintenant, ce n'est plus des ouvriers qu'on a besoin. On a besoin des gens qui réfléchissent, des ingénieurs. Et avant, ouais, ça va un peu, tu vois, mais maintenant tout est mort. Avant, j'étais un faux papier avant. Faux papier mais maintenant, là, qui on a sorti, mais maintenant tout est faux. Mais maintenant c'est fini. Si tu n'as pas le papier, France, il ne travaille pas. Voilà, elle est partout, on est là la souris, la nuit, on ne travaille pas. The undocumented in Paris are desperate. Their only hope now is to appeal as a group for the right to work. Their names are collected for a petition to the French authorities. And then, once again, they will take their plea to the streets. Avancez devant, s'il vous plaît. On ne reste pas ici. Avancez devant. Quand on vous dit d'avancer devant, avancez, s'il vous plaît. Ça fait un mois que je suis dans le collectif des sans-papiers. On a le seul soir de manifester. Si on ne manifeste pas,
Ça veut dire que les gens ils croient qu'on n'a pas besoin de papier. En fait, on a besoin pour travailler tout ça. France has a large responsibility for what is happening in our African country today. So if you set up fire in the jungle, it is normal that the animals run to a safer place, which could be here. But are they welcome? Comment va nourrir les enfants? On n'a pas de papiers. Si on n'a pas de papiers, on ne travaille pas. Vous voulez qu'on puisse travailler dans les noirs? Non. On a besoin de travailler officiellement, de vivre comme tous les autres Français. Chers camarades, pour gagner la réglementation, c'est maman. J'ai passé 13 ans loin du village en France. Si c'était à refaire, je préférerais passer toutes ces années à la maison. The legal position of undocumented migrants is constantly changing in European countries. Help us to keep the information up to date for your fellow Africans. Leave your knowledge in a post on our website.